un carnet de voyage inspiré des rituels du Mexique ancien. La plasticienne capcorsine Céline Lorenz y définit son travail comme du pop art mexicain. Je travaille sur le Mexique depuis 10 ans et la culture des Huichols dans le nord de San Luis de Potosí, une tribu d'Indiens qui habite dans les montagnes au-dessus de Guadalajara. Et moi, j'ai étudié la période de la Semaine Sainte, durant la Semaine Sainte. Et ça retranscrit tout le parcours que les Huichols font pendant la Semaine Sainte. Du Mexique à Cuba, sa fascination pour l'Amérique du Sud, Céline Lorenz l'interprète comme un mal du pays. Son arrière-grand-père était un riche propriétaire capcorsin ayant fait fortune au Venezuela. Je suis passionnée d'Amérique latine parce que je fais partie de la diaspora. Je suis capcorsine, ma grand-mère était vénézuélienne, elle est née au Venezuela. Donc moi j'ai beaucoup de liens avec l'Amérique latine, comme beaucoup de capcorsins qui sont de grands voyageurs. Cette étrange créature couverte d'ex-voto rappelle des pratiques religieuses ancestrales. Alors il l'appelle le venado, c'est quand même un symbole important, hein, d'une sorte de petit animal innocent et un petit peu blessé et sacrifié. Donc il y a déjà cette image qui est très importante au Mexique. Frida Kahlo d'ailleurs s'est peinte donc, avec son visage donc, dans le corps de cet animal, avec plein de flèches. Donc je me suis dit, mais tiens, finalement, on peut faire un parallèle avec l'agneau pascal. À petite touche, ici avec des yeux de Sainte-Lucie, l'artiste suggère aussi son attachement à sa corsitude. Un univers d'icônes bigarrées à découvrir jusqu'au 15 février à l'Espace Diamant.